Bonjour à tous, capsule depuis la place du village, bien sûr, depuis l'alpage de Balme 2000 mètres avec nous. Michel, bonjour Michel. Bonjour. Valaisanne d'origine. Valaisanne d'origine, oui, mais adoptée en France. Adoptée en France. Vous êtes la compagne de Pierre Munier, le dernier paysan de Chamonix. Le tout dernier paysan de Chamonix, en tout cas en fabrication. Avec, il y a encore René qui a quelques éras, mais vraiment le dernier en fabrication et avec beaucoup de vaches, c'est bien. Michel, la différence entre un vrai Savoyard et un vrai Valaisan, c'est quoi? Est-ce qu'il y en a des différences? Je ne suis pas très sûre qu'il y ait vraiment beaucoup de différences. Je ne suis pas très sûre, en tout cas dans les paysans, je ne peux pas vous dire autrement. Moi. Mais dans les paysans, je pense qu'on a bien la même mentalité, la même façon de travailler. On aime bien faire la fête aussi. Et je pense que ça, c'est un peu... Oui, pour tous pareil. Et même dans la vallée d'Os, on va dans la vallée d'Os et on se sent pas du tout perdu. Vous dites trois pays, un seul peuple, hein, c'est ce que vous oui, dites. Oui, hein. Ça c'est même un seul pays qu'on pourrait le faire. Et un seul pays. Et pourquoi ça se fait pas? Alors ça, il faut voir avec nos politiques, peut-être. Michel, la frontière est juste derrière nous, là-bas, oui. Le col de Balme qu'on ouais. voit là-haut. Et c'est déjà le Valais, là-haut. Oui, c'est déjà le Valais, là. On a déjà un pied sur le Valais. Regardez-moi ça en face, c'est comment la grosse montagne qu'on voit là en face. Vous là. Ne demandez-moi pas trop à moi. Là, vous n'avez pas trop ici. Ici, le piacier du Tour qu'on voit ici. C'est la seule chose que je sais pas dire. Les alpages ici, qu'on voit très bien, les chalets de Balme. Votre non, ferme. Voilà, vous restaurez François qui filme. Mon 4x4, parce que je monte en 4x4. Ici, on monte à pied, plutôt à pied ou en remontée mécanique ici. Oui, tout à fait. Nous, on monte avec le 4x4, bien sûr, parce qu'on a souvent du matériel à porter, les tomes à descendre. Mais c'est vrai que les gens arrivent en général à pied, soit du côté de Charamillon, soit du côté de Valorcy. Vous faites le fromage ici, racontez-nous bien comment ça se passe. Bien sûr, on le fait tous les jours le fromage. On fabrique tous les jours et si je fais du crémeux, je le fabrique deux fois par jour. Parce que ça doit, il doit avoir qu'une traite pour fabriquer le crémeux. La tome, on peut le faire deux jours, ça veut dire que le soir, on le refroidit dans un tank avec un serpentin à l'eau froide et on le fabrique le matin. Par contre, le crémeux, je le fabrique deux fois par jour. Crémeux des reines, crémeux on rappelle les reines, races des reins. C'est du reblochon 10 fois amélioré pour simplifier. Hein. Je ne sais pas s'il est 10 fois amélioré, mais il est sûrement plus lactique et plus goûteux que le reblochon. Vous faites du sérac aussi? Du sérac, oui, de temps en temps. Ça, c'est juste quand j'ai envie de m'amuser. Du sérac ou de la tome blanche, alors voilà. Sérac à l'espelette aussi. Sérac à l'espelette, sérac aux herbes, sérac au poivre. Après, c'est selon l'humeur. Et de la tome? Et de la tome, et de la tome nature, de la tome au piment d'Espelette, la tome au poivre noir concassé. Voilà. Alors, on rappelle que le mardi 17-19h, le vendredi 17-19h, à la ferme de Montroc, à Chamonix. Voilà, c'est ça, à Chamonix, à autour. Autour? Non, même pas autour, à Montroc. Avant en le face tour. De la gare de Montroc, pour être précise. On peut venir goûter ces produits ici. Bien sûr, bien quand sûr. On voit le cadre, Michel, quand on voit vos vaches ici, elles sont là pour l'instant, là-bas. C'est le paradis. C'est le paradis, mais ça peut être que des bons produits quand on voit cet environnement. Ah oui. Ici, on voit cette herbe verte ici, vous avez même des oies qu'on a aperçues tout à l'heure, et puis de glacier pas loin. Ça peut être que des produits de haute qualité. Ce sont des tomes qui ont bien plus de valeur et bien plus de matière grasse que les tomes qu'on fabrique en bas. Alors qu'on a déjà un très bon produit puisqu'on n'a jamais de souci d'écoulement, on n'a jamais de stock. Oui. Et notre tome est reconnu et d'ailleurs on la livre dans une quinzaine de restaurants sur Chamonix qui sont très contents. Mais c'est vrai que la tome de montagne, c'est encore autre chose. L'herbage de la montagne est tout différent de l'herbage de la plaine. Enfin, si on peut la plaine à 1400 mètres. Michel, on est bien là, à oui, 2000 mètres. On est très bien. C'est on quoi votre plaisir à la ici? Porte du paradis ici. Ah, c'est la porte, c'est quasiment le paradis. Oui, oui, tout à fait. Les tout nuits sont fraîches, vous dormez ici en plus, vous. Ah oui, oui, moi je ne descends pas. Là, si je peux rester 3 mois, 3 mois et demi, c'est parfait pour moi. Vous descendez quand même un petit peu, de temps en temps. Ah oui, de temps en temps, oui. Il oui. faut faire des courses quand même. Et faut... Mais c'est vrai qu'on est super bien. Après, c'est un cadre magnifique. On a tout, on est super bien... aménagé, on a tout ce qu'il faut, c'est vraiment un bonjour à tous top. Les amis agriculteurs que vous ah, connaissez oui, en Valais, en Pays de Savoie, oui, il y a beaucoup. Hein. Et dans la Vallée d'Ost. Et Vallée d'Ost aussi. Voilà, hein. Sans les oublier, ouais, tout à fait. Merci Michel. Merci beaucoup. Pour cette merci passion beaucoup. Et à très vite. Merci beaucoup merci. Dans la place du village. Merci.